Eh bien salut tout le monde, c'est Xa, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de notre let's play sur Amnesia Machine for Pigs. Ah oui d'accord, donc quand ça met reprendre, ça d'accord, ça reprend vraiment là où on en était. C'était l'endroit où j'avais balancé toutes les chaises, bref Osef. Ok, donc on est arrivé dans l'église et je sais plus qu'est-ce qu'on doit faire. Peut-être aller là. Bah ok, c'est déjà ouvert, on va aller là-haut. Ok, donc déjà c'est un peu grand. Ah d'accord. Ouh. Ta mère. Wow. C'est quoi? Oh god. Putain, c'est quoi cette merde? Ah, c'est énorme la musique! Oh putain! Ah, elle m'a fait peur quand elle s'est lancée, mais là ça va. Ah, d'accord. Bon, plutôt bien ça, apparemment. Oh là 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 là! On peut pas les prendre, ok. Plutôt bien donc. Ok, en fait on peut les shooter comme ça et c'est bon. J'espère que le son est pas trop fort. En espérant. Ah. Si c'est le cas, je m'en excuse. Normalement les paramètres de son ils ont pas changé. Allez bordel. Mais qui joue du piano là en fait? Oh dear pigs. C'est énorme. Ok bon Ah bon bah il s'arrête. Autant vous dire je sais pas du tout est-ce qu'il faut qu'on aille. On peut pas ouvrir ce parti. Ok sauf que là ça s'ouvre dans ce sens. Autant vous dire que le son est à fond dans mes oreilles, plus que jamais même. Et donc du coup ouais, je l'ai bien entendu, oui ça c'est bien. Je remets le clavier en place voilà. Parce que tout à l'heure quand j'ai eu peur j'ai un peu tout voilà. Journal du père, ok on s'en fout. Alors, donc, vous avez mis pause si vous voulez lire, moi étant donné que je les lis après bah vous F. Ok bon, donc là y a rien. Bon la fille qui a gueulé. J'espère qu'elle va pas nous refaire le coup 10 fois, hein, parce que ça fait un peu peur quand même. Ok. Putain, mais il est immense en fait ce truc. Ah, mais c'est le même truc, attendez, là. Ah, une autre lettre. Deux bougies offertes. Ouais, bon, ça raconte l'histoire. Putain, il y a de bonnes ambiances des fois. Change pas les règles. Putain mais regarde moi cette chaise, comment elle fait pour tenir. Hop. Merde mais bah non. Putain et je déteste les chaises dans ce jeu. Ok rien. Toi. En fait il y a jamais rien dans ces trucs. Je sais jamais pourquoi je regarde. Voilà, c'est toujours inutile là, il va rien y avoir. Ah si. Ouais non c'est des parchemins, on s'en fout complet. Joseph, allez hop, on remonte. Attendez, et là on y allait. Ah, un magnétophone. Your faith shackles your vision, professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lame hog, spitting back offal at mankind. Ok. Ok. Donc c'était pas là, donc en fait si c'était là-bas. Hein. Putain la gueule du truc quoi. Il y a des sons d'ambiance que j'aime pas du tout en fait. Enfin non, que je déteste en fait. Tiens, brûle, chaise. Ce serait tellement stylé, ça pourrait cramer.
porte. Ok, donc là on est d'accord, on peut pas passer, donc moi qui ai une autre porte là. Non, bah donc c'est dans cette pièce. Il doit y avoir un truc. Pourquoi ça marchait pas Oula. Ouais ouais, ça marche pas. Hein. Ouais, ça marche pas. Oula. Je fais un 360. Ça s'ouvre ça. Et je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire là. Y a pas un passage. Putain, d'habitude je trouve tout. Là je trouve pas. Elle m'avait l'air louche ce petit truc. Mais bordel. Mais pourquoi voilà elle se met comme ça des fois. Ouvre-toi, saloperie. Puis même ça servira à quoi qu'elle s'ouvre. Enfin, qu'elle s'ouvre. Bon, hop, ferme ça. On va faire une petite ellipse. Je vais aller voir sur internet. Parce que voilà, il faut pas rester bloqué. Bref, à tout de suite. Ok, donc re tout le monde. Donc c'est bon, je sais. En fait, attention, hein, quand même. Je le sais, hein, je le savais. Voilà, il fallait vraiment le voir. Moi, je l'aurais pas vu, franchement, je vous le dis honnêtement. Mon journal, un mystérieux indice. Il y a, oui, bon, ça je le sais, il faut trouver en fait la deuxième petite truc qui est là. What the fuck? Attendez, mais ça va être trop stylé après. Enfin, trop stylé. Lol. Ah, ici elle se cachait la petite. Bon, hop. Putain, je kiffe trop ces trucs. Ouais, bon, au final ça change absolument. Pff, ok, change absolument rien. Pourquoi avoir mis juste lui là comme ça? Enfin, je ne comprends pas. Très bien, donc apparemment à un endroit il y a une bougie. Alors je sais pas où c'est, mais il y a une bougie. Alors oh bah dis donc, toi ça fait un moment qu'on t'avait pas vu. Allez, viens avec moi. On va chercher la bougie. Par contre, attends, hop, ouvre-toi, voilà. Allez, viens, petit nounours. Non mais, voilà, petit nounours. Serait pas là. Putain, merde. Ah non, non, elle est là, c'est bon. Merde, petit nounours. Au revoir, petit nounours. On se reverra peut-être un autre jour. Hop, on y va. Ah là 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 là, tout le temps ce petit. C'est pas, voilà, on sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Ça m'énerve beaucoup. Allez. Alors, je me suis arrêté là. Putain, j'espérais que ça ouvre cette porte, mais que dalle, quoi. What the fuck. Mon journal, machine infernale. Moteur est en marche. Le levier, ok, le levier. Ah, voilà. Il va y avoir quoi? Pourquoi c'est descendu? Putain, ok, d'accord. Ouais, non, c'est en fait c'est un passage. Ah d'accord, ça s'est mis là. Ouais, mais moi j'aimerais bien savoir enfin cette porte. Ouais, bon, cette porte elle devrait. Ok. Ok. Oh non, j'aime pas ça les gens, j'aime pas ça. Non. Putain, waouh. Je déteste ça. Hein. Putain, il est par là, mais ça m'énervait ça. Non. Attendez, il y a des cages.
Mais encore eux, mais Andy, qu'est-ce que t'as tout le temps à me hanter toute ma vie, putain. Dégagez de ma vie. Ce n'est pas possible. Putain. Et je vais baisser le son, hein. Un petit peu, quand même. On va baisser le son. Voilà, 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 voilà. Il est où, il est où, il est où? Putain, il y a un gamin, il pleure. Il était aussi de chien. Enfin, aussi de cochon. Oh là 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 là. J'ai mal à la nuque en plus. Miozef. Oh non, 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 il était là. Hein. Là, on va le voir, là, ça y est, il va nous bouffer. Et non, mais heureusement que j'ai baissé le son parce que là, j'aurais gueulé. Hein. Oh putain! What? Ferme ta gueule! Je t'ai pas parlé, toi! Putain, putain, non, 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 non! C'est pas cool, ça, putain! Et non, mais il est horrible, hein! Il est horrible! Encore? Mais pas deux tout le temps, bordel! Stop! J'en ai marre, hein! Non mais en vrai là, entre l'autre qui parle, putain, l'ambiance et ce truc en bas là, on va mourir, je vous le dis. Où es-tu? Où es-tu? Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du dodo. Fais dodo, cola mon petit frère. Je pense pas qu'on le reverra tout de suite. C'est tant mieux d'ailleurs. Oh putain. Il m'a fait peur ce fils de con. Oh là là. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a un truc qui va. Oh, il est là. C'est quoi cette merde? Il vient pas là, hein. Il va venir. On est mort. Il repasse, hein. Je vois rien non plus, hein. Je vous rassure. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? Il a pas de bras d'un côté. Regardez-moi ça. Kevin, c'est là. Vite. Fin de chapitre. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On sait pas pourquoi il était là, hein, mais il était là. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cet épisode numéro 5 de Amnesia Machine for Pig. On se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, pour l'épisode 6. A plus tout le monde.